Vas-y, est-ce que tu peux parler? Oui, alors bonjour, moi c'est Cyrus, et en fait j'aime bien les plantes et les pissenlits. Là, ça va? Là, c'est vraiment très très bien. Regarde comme t'es beau. Tu te vois ou pas? Non, tu te vois pas là. Alors attends, une petite intro quand même. Tu veux faire quoi en intro? Eh ben, je te présente? Ou alors toi, tu te présentes? Oula, non, oula! Tu sais pas faire ça? Non, je sais pas faire ça. Mais tu sais que c'est une compétence qui est requise, hein, un entretien d'embauche. Mais pas dans mon milieu. Je vais le faire. Dans Bouge mon pas. milieu, en fait, on parle pour moi. Alors, il faut vraiment que je change de boulot. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit do-it-yourself avec Cyrus, alias Haroid Prince sur Instagram. Je t'en ai parlé en vlog il n'y a pas longtemps. On va faire un tuteur pour mon verrucosum tout en jambes là. Bon, je sais que tu veux que je le coupe, mais il y a peu de chances que ça arrive aujourd'hui. Je suis malade en plus, donc je suis faible. Donc le compte Harry Prince, c'est un compte en français, hein. Tes Oui, captions sont en peu français. importe. Voilà. Où Cyrus parle d'Aracée, d'où le nom, plutôt des plantes rares, et du coup, et aussi un petit peu d'art, parce que c'est ta formation. Et du coup, quand je lui ai parlé de mon verrucosum que j'aime bien, mais avec ça, je galère un peu moins que le glow quand même avec lui. C'est juste qu'il est parti en jambes, quoi. Après, c'est pas vraiment le même type de plante, mais D'accord. ça s'apprend vite. Enfin, dès que t'as le coup de main, c'est bon. Du coup, aujourd'hui, tu vas me guider un petit peu pour faire ce tuteur et ben, j'espère que ça vous plaira. J'en avais tout mignon de l'anniversaire de Louis. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, franchement. Regarde, c'était le thème jungle. Alors, du coup, d'abord, il faut qu'on explique un peu le géotextile que tu m'as envoyé et avec lequel tu fais des tuteurs pour quelles plantes, toi? Toutes les grimpantes, vraiment toutes les grimpantes. En fait, c'est un géotextile qui est à base de nylon, il me semble, et en fait, qui reprend toutes les, donc c'est pas très éco-friendly, mais qui reprend toutes les propriétés de la sphaigne. Et ça sèche moins vite que la sphaigne ou pas? Alors, ça sèche moins vite tant que tu as un petit fond d'eau. D'accord. Parce que la sphaigne, je sais pas ce que t'en penses, mais ça sèche hyper vite quand même. C'est En facile à fait, la faire. sphaigne, je trouve ça intéressant sur. Déjà, c'est naturel, mais je trouve ça intéressant dans le sens où la rétention d'eau est quand même assez folle. C'est à peu près 310% de son volume d'eau. D'accord. Donc, c'est quand même assez intéressant. Le seul problème, c'est que vu que c'est parcellaire et donc par morceaux, je dirais que le problème, c'est qu'avec la sphaigne, en fait, l'aération va être globale. Donc, en fait, tout va sécher d'un coup. Ouais. Ouais, parce que moi, j'avais fait un do-it-yourself sur ma chaîne. Et en fait, alors, ça va que tu sais, faut que ça soit hyper dense, hyper serré, parce que dès que tu as des petites poches d'air, mais bon sang, c'est chaud de faire ça, même avec en repassant le fil et tout. D'ailleurs, la plupart des tuteurs qui sont vendus, c'est Sphaigne et Coco, non? Coco? Et ça, tu utilises des tuteurs fil de coco, t'en achètes? Non, pas du tout, jamais. Pourquoi? Jamais, jamais, jamais. Parce qu'en fait, je trouve que déjà, l'hydrater, c'est très compliqué et le garder hydraté, c'est encore plus compliqué. D'accord. Après, ce que moi, je fais beaucoup, mais ça, c'est pour la serre derrière, c'est simplement une branche. Mais parce que justement, j'ai 95% à peu près tout le temps d'humidité, Oui, ce que donc j'ai le pas. bois reste humide. Ouais. Donc celui-là, donc tu m'as envoyé un bambou pour le mettre autour. Tu veux que je l'épaississe avec un autre que j'ai, tu m'as dit? Tu peux, ouais, tu peux. Ok, Prends les deux et épaissis-le, ça te je vais aller sera chercher mieux. parce que lui il jouait avec hier, là je sais pas où il a mis. Je reviens, c'est dans la cuisine. Regarde la tranche du truc. Qu'est-ce que... Ouais, What? c'était ça que j'avais. Oui, alors avant j'avais ça comme tuteur hein, quand même. Heureusement que tu viens à la rescousse de mon verru. Ça va, mais oui, tu peux mettre les deux pour épaissir un peu. Il faut peut-être que je le scotche, non? Il faut que je le scotche entre eux. Je viens de voir que j'étais en galère de batterie. Il faudrait que j'aille chercher le chargeur tout à l'heure. Et moi, je viens de voir que j'ai une plante qui est en train de se barrer son tuteur. Ah! Là. Regarde. C'est quoi comme plante? Elle, la pinaparticula, hein. D'accord. Tu vois, elle monte comme ça, elle monte et elle part par là-bas. Et alors, qu'est-ce que tu fais à ces cas-là? Tu la refixes? Ouais, je la refixe. Tu veux qu'elle grimpe tout droit ou. Je suis pas forcément tant attirant avec les plantes, elles font un peu ce qu'elles veulent quand même, durant qu'elles D'accord. poussent. Mais elles font un D'accord. peu ce qu'elles veulent. D'accord. Après, c'est vrai que généralement, quand j'ai une plante comme ça qui est en train de partir, en fait, c'est plus un problème d'équilibre
qu'un vrai problème d'esthétisme. D'accord. Alors, regarde. Très bien. Ensuite, je mets tout autour et je couds. Alors, oui. Qu'il y a une partie qui soit dans l'eau. Oui. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu ne vas pas le mettre, surtout si tu as un cache-pot, tu ne vas pas le mettre dans le pot de la plante, mais tu le mets directement dans le cache-pot. D'accord. Du coup, là, c'est un peu grand, je vais couper, non? Ou alors, je laisse en haut pour le moment. Bah non, ou alors, justement, tu le fais tremper. Ouais, j'allais dire, ça fera par capillarité, non? Ouais, mais ça marche par capillarité, en fait. D'accord. En fait, c'est ce genre de tissu, on l'utilise très souvent en terrarium et en paludarium. D'accord. Pour paludarium, je sais plus. Mais... palud, je crois. Tu me mets le doute, palud. Là. Et souvent, en fait, on l'utilise pour faire les fonds des aquariums. D'accord. Pour que, justement, toutes les petites grimpantes puissent grimper dessus. Et c'est comme ça que tu as eu l'idée de l'utiliser? Alors, j'ai eu l'idée de l'utiliser, ça fait un moment que j'y pense. Regarde. Et ce qui m'a convaincu, c'est... Pardon, vas-y. Par contre, là, je vais être en galère, là. C'est quoi? C'est le bas? Bah non. Là, c'est un peu comme quand j'enfile mes pantalons en ce moment. C'est... c'est un peu chaud, quoi. C'est la jonction. C'est... Bah attends, je vais faire d'abord tout en bas, là. C'est un moment que je pensais utiliser ce textile. Et il s'avère en fait que c'est... J'en ai parlé avec une abonnée. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je lui ai dit, bah écoute, ça tombe très bien parce que ça fait un moment que j'y pense. Elle a commencé à le faire. Elle l'a fait. Et en fait, elle m'a donné son retour qui est... ça a explosé. D'accord. Elle a testé sur un mélanoprisme qui a explosé, littéralement. D'accord, oui. Alors, j'ai pas de mélano, hein, ça c'est une certitude. Mais... oui, ça marche avec tous les, ça marche avec tous les grimpants. Ouais, et puis oui. Regarde là, c'est beau, bien. Attends. Tac, 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 tac. Bon, enfin, là, lui, il va falloir que je l'enlève quand même, parce que ça va gêner. Alors, on va dire au revoir au cerf. Tu sais, ce qu'il faudrait, c'est prendre une aiguille, carrément. Mais. Moi, je sais coudre. La monnaie dont je te parle, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a cousue. Mais je pense que je vais coudre. Je pense que je vais aller chercher mon truc et que je vais coudre. C'est juste que moi, je sais pas coudre. Je sais pas coudre. Oh. Ouais. Finir avec mes petits pics et celui du bas, à mon avis, je vais le coudre. Ouais, c'est pas mal là. C'est juste que ce sera plus joli si je couds. Là, je vais faire ça, je vais aller chercher. Alors, j'ai tout cousu là, nickel. Là, j'ai laissé les cure-dents, ouais. Et j'ai dû coudre jusqu'à là. Mais c'est pour montrer que ça marche les cure-dents et ça tient bien si on ne sait pas coudre. Mais c'est vrai que cousu, c'est pas mal. Hein. Alors, du coup, là, j'allais faire ce que tu as dit, c'est le placer à l'extérieur du pot. Par contre, il faudrait que je fasse un petit lit de bille d'argile, pas juste sur les côtés, mais aussi en bas pour pas que quand je mets de l'eau... pour humidifier le machin, pour pas que les racines du Vericosum soient dans la flotte, ouais. Ouais, alors attends. Combo, c'est beau, je les aime bien. Il est joli avec ses petits pieds. Ouais, il vient des sortes graines, alors vraiment. Pour des pots pas chers, mais jolis. Tu sais que tu vas devoir le couper quand même. Pas aujourd'hui. Ouais. Non, je suis pas prête, je t'ai dit, je suis pas prête. Pourquoi tu l'aimes pas, mon truc tout en jambes? C'est pas que je l'aime pas, c'est que, en fait, si tu veux qu'il se reprenne vraiment, il faudrait qu'il coupe au parti du premier nœud, juste au-dessus du premier. Parce que, non, mais je sais ce que tu veux dire. Tu voudrais qu'il y ait des... Quand tu dis reprenne vraiment, c'est pour qu'il y ait des feuilles depuis le début. En fait, c'est... j'ai pas forcément un problème avec le fait d'avoir des feuilles juste à un endroit de la plante qui est vraiment le haut et il n'y a rien en bas. Ça ne pose pas forcément de problème, parce que ça fait naturel en fait, c'est très naturel. Alors, c'est plus dans l'idée de... Là, il lutte. Et ne serait-ce que la nouvelle feuille que tu m'as montrée, elle n'était pas folle non plus. Là, ouais. Alors attends, je montre dans le cadre. Là-haut, en fait, là, comme elle est en train de repartir dans l'autre sens, qu'elle doit se rendre compte que, tu sais, ça penchait, quoi. Que là, ça va aller bien en 5 minutes, mais après, ça va être trop petit, il faudra que j'en fasse un plus grand. Ouais. Déjà, je vais faire mon tuteur, monsieur. Non, mais c'est filmé, d'accord? Donc, on va pouvoir me tenir accountable. Si je le fais pas, faudra que je justifie de mes actes. Attends, bouge pas, je tiens mon truc. Je suis pas prête, hein. je suis malade, ça s'entend, je suis pas prête.
fais. Mais déjà là, je vais pouvoir. Et tu sais, est-ce que je ferais pas du marcottage aérien? Tu sais, tu peux. Avec un petit chou. Après, en fait, tu peux. Le seul problème, c'est que vu qu'il est. Là, en fait, il est en train de mettre son énergie sur les dernières feuilles plus la pousse. Ouais. Le truc, c'est que c'est pas forcément évident que ces nœuds-là, justement, ceux où tu avais ta main gauche, puissent être actifs. Ah putain. Ouais, tout que je rase, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah oui, alors là, faut que j'explique. Je suis en train de mettre des billes d'argile sur les côtés pour combler le trou pour pas que le tuteur bouge. Le problème avec les verrues, surtout avec les verrues, parce que les glorieux ont pas trop ce problème-là. Les splendides, glorieux, etc. ont pas trop ce problème-là, mais elles non plus. Le verru, c'est vraiment le moment à l'intérieur. Et dès qu'il y en a, ne serait-ce que trois, qui font trois piqûres, c'est oh mon dieu, la feuille, je vais la sacrifier, j'en peux plus, hop, je vais. C'est vraiment pour ça que le verru marche. Ouais. Bah écoute, c'est ce qui s'est passé. Mais bon, après voilà, il était reparti et maintenant je la douche régulièrement, les feuilles y compris, j'ai plus peur maintenant. Et je spray aussi avec du savon noir régulièrement. Du coup, les feuilles vont bien, mais c'est vrai que oui, il est tout en. Oh, il est tout en jambes quoi. Bichette. Bon, je pense que c'est pas mal calé là, je vais pouvoir attacher. Et après, je mets juste de l'eau au fond, puis demain il sera entièrement mouillé. Ou tu veux que je mouille le géotextile? Non, juste de l'eau au fond, mais ouais. Il va falloir que tu surveilles un tout petit peu. Oui. Parce que ça va être vite aspiré, et en gros, pour que ça monte suffisamment, il va falloir remettre de l'eau tout le temps. D'accord. Et après, c'est juste maintenir le truc humide. Et en fait, juste avec le fond d'eau, ça suffira. D'accord. Alors là, j'accroche. Il faut vraiment que je me procure. Tu sais, Laetitia, elle a des. Le velcro. Ouais, il faut que je m'en. C'est dommage, ça abîme. Elle a raison, ça abîme ça. Dommage, c'est pas mal. On peut bien, sinon, je peux prendre du lien doux, ce que j'utilise moi. C'est quoi? C'est du fil de fer avec une gaine en gomme. Et ce qu'on utilise souvent pour des bonsaï, par exemple. D'accord. Faudrait que je fasse une petite update demain matin. Tu sais, genre quand j'aurai. Quand ça aura bu, déjà, ça va monter. Ça, non, je crois que avec ce jeu textile, je sais à la couleur. Non, on va pas en entier. Attends, je montre comme ça. Donc en fait, ce que tu me disais, c'est que voilà, là, pour le moment, les feuilles, bon, ça continue de pousser, mais c'est pas la folie. Je crois que celle-là, elle est belle quand même, pour de l'intérieur. Bah. Ouais, non, mais ça peut marcher très bien à l'intérieur, hein. C'est juste que c'est un élément à carrière. Ouais. J'aime bien ces petits poils. Donc pour le moment, voilà l'état de la plante. Quel jour sommes-nous? Le 21 septembre? Le 22. Le 22 septembre. Le 22. Et je vous ferai une update. Quand il sera coupé. Aïe aïe aïe. Non, je ferai une update dans une semaine. Si t'es là, Simus, je le ferai avec toi. Okay. Et puis, je sais pas, il faut que je regarde. Je me décide soit à couper, soit à essayer de faire du marquetage. Écoute, commence comme ça. Mais déjà, dans une semaine, ce qu'on pourra voir déjà la tronche de celle-là, là, qui est en train de partir en haut, là. Qui est en train de. Ah oui. Déjà, ça sera une bonne indication de savoir si vraiment bon, elle est épuisée ou. En fait, il a fait une seconde tête. Ouais. En fait, regarde. Okay. Alors, toi, tu vois pas bien. Là, on voit mieux à la caméra. J'essaie de te montrer aussi. En fait, donc là, elle partait par là-bas. Et puis, en fait, comme avec mon tuteur de fortune là, que je t'ai montré, voilà, elle repart là-haut en essayant de grimper parce qu'elle n'a pas vocation à ramper, celle-là. Mais. Elle est rigolote quand même, son allure. Attends. Moi j'aime bien les plantes un peu crooked. Bah là, ça me calme bien. Après, ce que tu pourrais faire aussi, c'est quand tu la couperas, quand, j'ai bien dit quand, pas si, et quand tu la couperas, c'est de bouturer la tête. Oui, mais tu boutures comment la tête? En eau ou en saigne? Saigne. Donc il faut que je me reprocure la saigne. Ah, en parlant de Sven, tu veux voir ton bébé Cristalina? Ah, vas-y. Il est trop chou, je passe devant, je pense à toi. Alors, attends, déjà, je vais montrer à la caméra. Hop là. Là, t'es en contre-jour, je suis désolée. Donc là, j'ai une petite feuille à la base là qui a jauni. Oui, ça, c'est pas grave. Ouais, oui, bon, on en avait parlé. Sinon, elle tient plutôt bien. Alors, moi, par contre, j'ai un souci avec la Sven, c'est que je sais pas comment arroser. Alors...
ce que tu peux faire, c'est si tu as, t'as un papier chauffant, ça peut. C'est une vraie question. C'est bon, ce qui me semblait. S'il fait assez chaud, on va, voilà, on va plus. Let's put it like this. Mm-hmm. S'il fait assez chaud, mm-hmm. tu peux. Vas-y, remontre-moi le pot. Est-ce que je fais des trous déjà? Non, t'es pas obligé. Justement, j'allais te dire, tu vois, il y a une espèce de topographie en bas, avec des espèces de petits dénivelés. Oui. Tu peux mettre de l'eau à... Ouais, remonte. Tu peux remettre de l'eau à celui-ci. D'accord. Je monte à la caméra. Toc, toc. Il y a les petits escaliers. Je mets de l'eau jusqu'en bas, là, et je laisse la Sphène boire. En pleine chaleur. Et d'accord. Juste pleine chaleur. Oui, bah, je vais le mettre dans un endroit là où ça cogne dès le matin. Okay. J'ai une autre question, c'est de la Sphène de Nouvelle-Zélande, toi aussi, ou tu utilises Madagascar? J'utilise que ça. Ah, toi aussi, oh là là. J'utilise que ça. Bon bah, je te redonnerai des nouvelles de toute façon de ta petite plante. Mais elle est vraiment trop choupie. Faut lui laisser le temps de se réveiller là. Ouais, non mais elle est belle. Attends, déjà moi c'est le survie au transport, déjà moi c'est une bonne nouvelle. Et survie à chez moi. Mais je l'ai mise à côté de l'humidificateur quand même. Mais ça, c'est ce qu'il lui faut. C'est donc, pas un très gros gourmand en humidité, donc. Ouais. Non, mais il est vraiment beau celui-là. Il me fait penser. C'est une petite variation du clarier, quoi, en fait. Mais il y a un petit peu moins de nervures sur les petites jeunes. Oui, et les feuilles deviennent beaucoup plus grosses, en fait. Oui, bien sûr. Toi tu l'as, la tienne, là, chez toi? Le Magnificum? Oui. Le Crystal? Non, le Crystal. Sinon, tu m'enverras une photo, je la mettrai sur mon montage, là. Non. Les miens ne sont... Tu sais, c'est une potée où j'avais plusieurs graines, en fait. Donc, les miens ne sont pas énormes. J'ai ma petite potée qui est comme ça. Oh, waouh. Magnifique. Mais je mettrai une photo pour qu'on voit mieux. Et, ok. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Là, faut juste que je mette de l'eau. Oui, tu mets le fond d'eau et c'est bon. Voilà. Ben, je vous tiendrai au courant. Si y a des gens qui veulent le refaire, où est-ce qu'on trouve ce textile? Tu m'as dit... Je sais qu'on peut le trouver sur Etsy, ce genre d'endroit, et c'est un peu cher. On va considérer un peu cher le format raisin, donc 50 par 65, aux alentours de 20 euros la feuille. D'accord. Donc c'est un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup pour les gens qui veulent tester, vraiment. Ça marche très bien. Et toi, tu l'as trouvé sur Etsy? Oui, moi je l'ai acheté sur Etsy. D'accord. Bah merci beaucoup. De rien. Tu veux dire au revoir? Au revoir. Promis, quand je suis prête, je couperai, mais là, regarde comme c'est choupi. Petite mise à jour, un petit peu moins d'une semaine après. Donc la plante se porte super bien, la petite pousse continue son ascension. J'ai juste changé une chose, j'ai enlevé les billes d'argile et j'ai placé... J'avais un petit sac de congélation qui me restait de ma classe, en fait, c'est le dernier. Et du coup, j'ai placé le tuteur là-dedans pour qu'il soit toujours baigné en eau. En fait, j'avais peur de noyer la plante avec les billes d'argile parce que j'arrivais pas à voir où est-ce que j'allais mettre l'eau. Du coup, ça fait un petit réservoir uniquement pour le tuteur, c'est pas mal du tout.